Alors, bonjour à tout le monde. Oups, j'ai essayé d'avoir les mains libres, je parle avec les mains. Moi, je m'appelle Nathalie Neuvejean, je suis maître de conférence en droit, je suis rattachée à la faculté de droit de Douai, et je suis également titulaire de la chaire ANR IA responsable, qui est rattachée à l'université d'Artois, mais ma situation géographique est la faculté des sciences de Lens. Donc, en fait, je suis à la fois en droit et à Douai et en sciences à Lens. Donc je suis à côté et peut-être bientôt membre associé du CRIL, peut-être. Et donc j'ai un pied dans les deux mondes et j'ai beaucoup aimé l'intervention de Sarah. J'ai de la chance, je vais être avec elle dans le train, je vais pouvoir la cuisiner et poser plein de questions. Parce qu'effectivement, c'est passionnant. Moi, je vais vous parler des aspects éthiques et impact sur l'humain de l'IA. Donc, c'est plutôt une approche générale. Donc, je vais vous faire un peu de tout, tous les sujets intéressants. Alors, bien sûr, il y a des sujets que j'ai dû malheureusement laisser de côté. Le son est bon, ça va? Oui? C'est correct? J'ai dû laisser un certain nombre de sujets de côté. Tous sont intéressants, tous me passionnent. Donc, on verra. Alors, vous inquiétez pas si je passe vite des slides, hein, c'est juste pour gérer mon temps. Donc, ne soyez pas inquiets si vous voyez que je passe plein de choses. C'est normal. Alors, donc je vais vous parler d'un certain nombre de choses. Donc, l'IA, qu'est-ce que c'est d'abord? Grossièrement parlant, hein, on entend souvent cette définition grand public. L'IA, c'est des théories, des techniques qui permettent finalement de faire des machines qui vont simuler l'intelligence humaine. Alors, effectivement, vous avez le développement de l'IA que Sarah a déjà repris, mais je l'ai structuré sous forme de petits schémas que je vais reprendre en une minute ou deux. La naissance de l'IA en 1956, donc on a créé le terme IA pour le meilleur et pour le pire. Certains diront que c'est pour le pire, parce que le terme n'est pas tout à fait justifié, peu importe. L'IA, la première forme d'IA a connu des succès, comme Deep Blue qui a gagné les échecs contre Kasparov en 1997. Et là, c'est l'IA symbolique. Donc l'IA symbolique, comme vous disait Sarah, elle fonctionne à partir de règles. Donc c'est l'humain qui va devoir programmer dans l'intelligence artificielle l'ensemble des règles que le système devra apprendre, et ensuite, le système va appliquer ses règles. Tout bêtement, si j'ose dire. Et à partir des années 90, vous avez l'apparition d'une nouvelle forme d'intelligence artificielle qui est le machine learning, avec des beaux succès, par exemple, Watson d'IBM qui a pu gagner au Jeopardy. Et ensuite, le deep learning, qui est une variante où on a eu les premiers réseaux de neurones vers les années 2010 à peu près. Tout ça a été rendu possible grâce à quoi? Au big data, à partir des années 2000-2010, grâce au big data, grâce à Internet et grâce aux puissances de calcul qui ont été améliorées. Hein. C'est pour ça que l'IA a peiné pendant longtemps, pendant des dizaines d'années, pour arriver à quelque chose qui était plus performant. Alors cette IA est venue en parallèle avec l'IA connexionniste, même si, avec l'IA symbolique, même si les journalistes en général oublient complètement l'existence de cette première IA ou le mélange. En réalité, c'est une autre forme d'IA qui est venue s'ajouter, non pas remplacer, c'est que ce soit très clair, l'IA symbolique. Et là, cette IA connexionniste va fonctionner à partir de données qu'elle va récupérer, par exemple dans son environnement. Et elle va raisonner par induction, tandis que l'IA symbolique va plutôt raisonner par déduction. Donc, c'est deux fonctionnements qui sont différents. Alors, l'IA connexionniste suppose, bien sûr, de récupérer une grande quantité de données et, évidemment, a pour inconvénient aussi de coûter cher en termes environnementaux, puisqu'il faut entraîner les données. Alors, ceci dit, nous avons une définition juridique d'un système d'intelligence artificielle qui a été proposé par l'Union européenne. Alors, il faut savoir que l'Union européenne travaille sur l'intelligence artificielle depuis les années à peu près 2016, 2017. Ça a commencé par les robots, ça a continué par l'IA. Et elle a proposé récemment une définition d'intelligence artificielle
Il y a une évolution récemment dans cette proposition de définition, puisque vous avez des discussions qui sont en cours. Et d'après ce que j'ai pu lire, les discussions qui sont en cours, ça donnerait ce type de définition, mais ce n'est pas encore définitif. Donc, on parle de système d'IA, donc c'est l'IA appliquée. Donc, l'IA appliquée, c'est un système d'IA. Donc, ça va être un système qui va recevoir des données et des entrées machines ou humaines. Ça va être un système qui va pouvoir déduire comment atteindre un ensemble donné d'objectifs définis par l'homme en utilisant peu importe les techniques qui vont être utilisées, mais les techniques d'IA, bien sûr. Donc là, on garde l'idée que l'objectif est défini par l'humain. D'accord ? On n'est pas encore dans l'idée où c'est la machine qui va proposer ses propres objectifs. On est vraiment dans l'IA réaliste, hein, l'IA telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et troisième point, l'IA va générer des sorties sous forme de contenu, quel qu'il soit, des prédictions, des recommandations, des décisions qui vont permettre, comme on a vu avec Sarah pour l'environnement de la maison, qui vont permettre d'influencer l'environnement avec lequel ils vont interagir. Alors, le recours à l'IA, qu'on connaisse pas, on y est quand même. On en a partout. Vous faites une recherche sur Google, vous faites de l'IA. Ouais, vous ne faites pas de l'IA, mais vous touchez à l'IA. Vous utilisez des réseaux sociaux, c'est de l'IA. Alors, en tout cas, il y en a. Vous allez sur Amazon pour faire des commandes. Vous encore, vous avez affaire à de l'IA, une forme d'IA. Plateformes comme Netflix utilisent également de l'IA, etc. Les filtres anti-spam, les chatbots, les robots, etc. Donc, il y a de l'IA absolument partout. Et cette IA a pénétré tous les domaines. On la trouve aussi bien dans le domaine de la santé, dans le domaine de transport, dans les services, dans l'industrie, dans la justice, dans la sécurité, absolument partout. Alors, évidemment, l'IA a des grands avantages, mais elle a aussi pas mal de questions. Par exemple, des questions au niveau des questions générales qu'on ne traitera pas ici. Le devenir du travail, qui est une grande question, le sort des emplois. L'impact de l'IA sur les personnes et sur la démocratie. Par exemple, la surveillance des personnes par l'IA. La transformation de la société. Donc là, c'est une question que Sarah n'a pas abordée. Mais effectivement, vous mettez de l'IA à l'intérieur d'un domicile d'une personne âgée ou handicapée, et bien vous avez affaire à une transformation de la situation de la personne par rapport à sa famille. Est-ce qu'elle ne risque pas d'être délaissée parce qu'on sait qu'elle est aux mains d'un système d'IA, par exemple. Donc il y a plein de questions qui se posent par rapport... C'est pour ça que j'adore ce sujet, parce qu'il y a vraiment énormément de choses qui peuvent être faites. La cybersécurité, je n'en parlerai même pas, et les problèmes environnementaux. Évidemment, la chaire que je dirige s'intéresse aussi à une grosse question sur l'environnement et l'IA. Alors, l'IA soulève des questions cruciales pour l'humain, la société, la démocratie. Un exemple que vous connaissez peut-être, l'IA va avoir un impact sur les personnes. Par exemple, l'IA d'aide à la décision intervient aussi bien pour trier les CV, où elle aide les recruteurs à sélectionner les CV. Donc, on s'aperçoit que parfois, il y a des discriminations qui sont réalisées à l'égard des femmes, notamment quand l'entreprise a une politique de recrutement habituelle, de plutôt d'hommes plutôt que de femmes. Eh bien, l'IA va apprendre à partir des données. Et nécessairement, l'IA va reproduire les mécanismes et du coup, recruter des hommes plutôt que des femmes. En justice prédictive, où on peut aussi avoir des exemples de discrimination, on en parlera si on a le temps. Donc, vous avez finalement l'IA qui est face à un certain nombre de problèmes inhérents à son fonctionnement. Des problèmes de biais, de discrimination, des problèmes par rapport aux données, des problèmes par rapport à la solution, des problèmes par rapport à l'intégration de la solution dans la société. Donc, plein de questions qui peuvent se poser, très complexes, très générales. Alors, bien sûr, ce qu'on comprend aussi, c'est que ce n'est pas l'IA en elle-même qui pose problème. Bien sûr, c'est pas l'IA qui va venir nous tuer. Souvent on me demande est-ce que le robot va venir nous assassiner pendant qu'on dort. Non, évidemment, c'est pas l'IA, c'est pas la machine, c'est l'usage que l'on fait de ce système. Donc c'est bien de l'humain qu'on parle. Hein. C'est de l'humain qui va utiliser cet outil. Même si finalement il est autonome, c'est quand même l'humain qui va décider de placer un système d'intelligence artificielle dans une maison de retraite et ensuite s'en laver les mains et laisser le système en autonomie, par exemple. Donc c'est vraiment l'humain qui est au final concerné. Alors vous avez, puisque mon sujet porte sur l'éthique, eh bien si on parle d'éthique, on a plusieurs façons de comprendre l'éthique. Alors on peut parler d'éthique des agents artificiels et l'éthique des agents humains. J'ai gardé le même terme, si on verra que ce n'est pas tout à fait la même chose en matière d'agents humains. Alors, l'éthique des agents artificiels, deux mots, ça ne va pas être le sujet principal. Donc, l'éthique des agents artificiels, ça existe. C'est l'éthique des machines ou l'éthique de l'IA, au sens de machine ethics.
Donc c'est particulier parce que cette éthique va concerner les agents moraux artificiels. Mais ça implique une chose très importante. Ça implique que l'agent artificiel, lui-même, soit capable de respecter des règles éthiques. Donc c'est l'agent moral qui va être en mesure de comprendre les réglementations, les défis éthiques, et de pouvoir lui-même les respecter. Alors évidemment, l'agent moral n'est pas vraiment capable de prendre des décisions morales. On verra après en deux mots le trolley paradoxe, et c'est un sujet extrêmement complexe de programmer une morale des machines. Il y a des chercheurs qui travaillent dessus. Évidemment, on est au début des recherches, c'est pas du tout abouti. Hein. C'est vraiment quelque chose de très très compliqué à faire. Justement, le problème du tramway par rapport aux voitures autonomes, en quelques mots. Alors, vous connaissez très probablement le problème du tramway qui a été conceptualisé par Philippa Foot en 1967, même si elle ne parlait pas évidemment du tout des voitures autonomes, mais plutôt de l'avortement, ce qui n'a pas tout à fait de rapport, avec toutes les évolutions par les autres auteurs. Donc, typiquement, vous avez le premier cas où vous avez le tramway, ou quel que soit le système, le tramway qui peut être détourné pour écraser plutôt une personne que cinq personnes. Et effectivement, on se rend compte que choisir de détourner le tramway pour tuer une personne plutôt que cinq personnes, ça a certes un effet collatéral, mais ça permet de sauver cinq personnes. La deuxième proposition qui a pu être faite et évolution du trolley paradoxe, ça a été l'affaire du fat man, du gros monsieur, j'ai mis des majuscules parce que ce n'est pas forcément politiquement correct. Donc vous avez un gros monsieur qui peut être potentiellement poussé sur la voie et qui, par sa chute, permettrait d'éviter de bloquer le tramway et de sauver cinq personnes. Donc effectivement, là, la mort du gros monsieur, concrètement, éthiquement parlant, va correspondre à un meurtre. Et d'un point de vue juridique, c'est carrément un meurtre. Donc en plus, vous avez une intention de tuer, donc c'est encore pire. Et d'un point de vue éthique également, même si effectivement l'intention qui justifie ce meurtre est tout à fait louable. Donc ça pose un certain nombre de questions morales. Et ici, donc en fonction de l'approche morale qu'on va adopter, eh bien, il va y avoir effectivement des conséquences, un certain nombre de conséquences au niveau théorique. Donc si on suit l'approche dite utilitariste, eh bien, ce qu'on va regarder seulement, c'est les conséquences de l'acte. Dans ce cas-là, on va choisir, avec l'approche utilitariste, de sauver le maximum de vies. Si on choisit plutôt l'approche déontologique, eh bien, on considère que, quelle que soit la situation, on ne doit pas tuer une personne. Dans ce cas-là, la situation du gros monsieur, eh bien, il ne sera pas tué, même pour sauver cinq personnes. On se rend bien compte que la question sera de savoir, concrètement parlant, quand je parle à un éthicien, je lui dis, mais comment nous, on choisit pour programmer la machine, si on suppose que c'est faisable, comment on fait pour choisir concrètement? Ils n'ont pas nécessairement de réponse. Ça reste, on a bien conscience, ça reste une théorie, ça reste une vision de l'esprit. Donc ce n'est pas tout à fait encore transposable sur la réalité, même si vous avez des tentatives qui ont été faites sur la voiture autonome, notamment le MIT qui a essayé de créer ces théories purement imaginaires de la voiture autonome face à ces questionnements. Donc la même situation, est-ce que vous avez une voiture qui arrive, qui va écraser soit une personne, soit cinq personnes, et puis les gens devaient répondre, dans une enquête mondiale, devaient répondre à ces différents questionnaires, et ensuite ils ont pu dresser un bilan de la façon dont les gens appréhendaient ce questionnement à travers le monde. Et on s'est aperçu que globalement, les gens trouvaient ça très très bien que la voiture sauve un maximum de vies. Les gens trouvaient ça génial d'encourager la vente de voitures qui sauvaient un maximum de vies, mais que globalement, si ça les concernait eux, ils n'achèteraient pas une voiture qui sauverait un maximum de vies si eux, ils devaient être tués pour sauver des personnes. Donc, entre ce qui est éthique et ce qu'on pratique, on voit qu'il y a une différence. Et là, puisque c'est les journées de la valorisation, on se rend compte que effectivement, la mise en pratique des théories est beaucoup plus complète que ce qu'on pourrait croire. Alors, l'éthique des agents humains, ce qui va nous retenir beaucoup plus longtemps, pose beaucoup de questions. Alors, l'éthique des agents humains,
On peut déjà la définir, elle a été définie dans un premier temps comme une éthique qui est destinée à l'homme. D'accord ? Tout à l'heure, on a vu que c'est l'éthique qui est destinée aux machines, et les machines qui vont décider entre elles de leur propre éthique, de leur comportement adopté, face à l'humain notamment. Et ici, ça va être différent, ça va être l'humain qui va déterminer quelle éthique appliquer aux machines. Donc ça va être valable pour les concepteurs, les développeurs, les fabricants, et aussi les utilisateurs, qu'ils soient intermédiaires ou finaux. Alors, quelles règles éthiques appliquées à l'intelligence artificielle lorsqu'il s'agit de l'humain pour l'humain? Alors, ici, si on définit l'éthique de l'intelligence artificielle, donc là, c'est le groupe d'experts de haut niveau de la Commission européenne qui a défini ce que c'était que l'éthique de l'IA en 2019. Donc, l'éthique de l'IA, c'est un sous-domaine de l'éthique appliquée, qui va être axé, bien sûr, sur les questions éthiques. Et sa principale préoccupation, ça va être de déterminer de quelle manière l'IA peut permettre d'améliorer la vie des personnes, leur autonomie. Là, on est en plein dedans quand on parle du domicile intelligent. Leur liberté, qui va être nécessaire pour une société démocratique. Donc, c'est les grands enjeux pour la vie de l'homme en société. Alors, l'UE aussi a travaillé beaucoup sur l'éthique de l'intelligence artificielle. Et vous allez voir, c'est un peu étonnant, mais l'éthique de l'intelligence artificielle, très rapidement, se rattache ou s'est rattaché au droit. C'est pour ça qu'en tant que juriste, je parle d'éthique, alors qu'en réalité, c'est de la philosophie. Donc l'éthique de l'IA, en quelque sorte, a voulu se mettre en œuvre, a voulu se rendre efficace en se rattachant, peu ou prou, aux droits fondamentaux. Alors en Europe, on considère que respecter ces principes éthiques et juridiques, c'est permettre aux citoyens d'avoir confiance dans l'intelligence artificielle. Alors la confiance, depuis 2018-2019, c'est le maître mot en Europe. L'objectif de l'Europe, puisque c'est une évidence, l'Europe le dit à demi-mot, donc je vais le dire carrément ouvertement, nous avons perdu la guerre de l'IA, donc il n'y a pas de grand groupe en Europe qui crée des systèmes d'intelligence artificielle, donc l'Europe ne sera qu'une utilisatrice de l'intelligence artificielle, et l'objectif de l'Europe, ça va être de protéger les utilisateurs, que ce soit des utilisateurs professionnels comme les médecins, l'hôpital, ou des utilisateurs particuliers comme les personnes âgées à leur domicile. Donc on protège l'utilisateur et on crée des règles de protection. Alors on a créé un certain nombre d'exigences clés, notamment la volonté humaine, la robustesse, la confidentialité, la transparence, etc., la non-discrimination, qui vont être applicables aux utilisateurs pour que les utilisateurs aient confiance dans l'intelligence artificielle. Donc la confiance est vraiment un maître mot, et l'Europe nous dit que pour que les personnes aient confiance dans l'IA, l'IA doit répondre à 3 défis. L'IA doit être licite. Licite, ça veut dire quoi? Ça veut dire on répond aux règles de droit. L'IA doit répondre aux règles de droit. Lesquelles? Ça, c'est plus compliqué à déterminer, surtout qu'elles sont en train d'évoluer. L'IA doit être éthique et répondre aux principes et aux valeurs éthiques, sachant que les principes et valeurs éthiques sont déjà contenus plus ou moins dans certains nombres de droits fondamentaux. Donc là, on a une interpénétration du droit et de l'éthique. Et enfin, l'IA doit être robuste, notamment d'un point de vue technique. Par exemple, l'IA ne doit pas être facilement piratable par des personnes malveillantes. Alors, si on regarde l'usage, et c'est ce qu'a fait également Sarah, l'usage des systèmes d'IA, vous avez un certain nombre de questions. Alors, si on fait un petit récapitulatif des questions, on va un certain nombre de questions qui ont un lien fort avec les droits humains. Enfin, c'est comme ça qu'on peut essayer de les classer. Quand je dis essayer, c'est vraiment essayer. Ce n'est pas une grande réussite, vous allez comprendre pourquoi. Donc vous avez des liens entre l'éthique de l'IA et le droit, tout au moins les droits fondamentaux, pour un certain nombre de cas. Les questions de dignité, les questions de liberté, les questions de vie privée. Et moi, il y a eu un mouvement dans mon PowerPoint, peu importe. Dans cet exposé, je vous parlerai de 2 choses. Je vous parlerai de la liberté humaine et je vous parlerai également des questions de discrimination. C'était exemple numéro 2, hein, pas 3. Deuxième chose, vous avez d'autres questions éthiques qui vont se poser. Et ces questions éthiques sont complètement nouvelles. Donc, on ne peut pas vraiment les rattacher à des règles de droit. Et c'est ça que j'aimerais vous montrer. C'est que vous avez des questions qu'on peut réussir
Parfois, c'est très dur. Hein. Vous allez voir, c'est tiré par les cheveux. Mais même si on n'aura pas le temps forcément de l'aborder aujourd'hui, mais on peut les rattacher avec des règles de droit. On peut savoir à peu près comment réfléchir à ces questions. Mais il y a des questions, on ne sait pas du tout comment s'y prendre. Et du coup, comme le droit est complètement impuissant, eh bien, il nous reste l'éthique, au sens pur du terme, au sens philosophique. Comment réfléchir à ces nouvelles technologies en termes éthiques? Et je vous donnerai l'exemple de l'interaction homme-machine. Enfin, j'essaierai, je verrai le temps qui me restera. L'exemple numéro un, la liberté humaine. Alors, j'ai chassé, malheureusement, ça a été une décision qui a été horrible, qui a été prise vers minuit hier soir, puisque mon exposé durait à peu près 2 heures. et j'aurais pu les tenir, je vous le dis tout de suite. Mais j'ai préféré écarter la question de la vie privée, parce que je me suis doutée que Sarah évoquerait le mot « au moins vie privée ». D'accord, donc on imagine très bien, même quand on n'est pas juriste, on voit tout de suite ce que c'est qu'un système d'IA qui porte atteinte à notre vie privée. Du coup, j'ai voulu être plus vicieuse, mais ce n'est pas le mot, c'est pas du tout le mot, mais prendre une notion à laquelle on ne pense pas forcément d'emblée, c'est la question de la liberté face au système d'IA et aux robots, qui va vraiment impacter très lourdement ces questionnements. Vous allez voir tout de suite, à l'intérieur de cette liberté, je vais vous prendre des exemples en IA et en robotique. Premier exemple sous forme de cas pratique, j'adore me poser ça sous forme de cas pratique, ça m'oblige à avoir une vision concrète quand on n'a pas d'exemple réel. C'est pour ça que Sarah, c'est très intéressant que sa maison intelligente, c'est un exemple réel. La question de la liberté face au système d'IA. Imaginons, vous avez un algorithme prédictif qui détecte chez un patient un cancer. Et l'algorithme prédictif, ça existe déjà, nous dit, eh bien, il y a un taux de survie, c'est souvent lié à symbolique d'ailleurs sur ces domaines-là, il y a un taux de survie, et à chaque taux de survie, et à chaque un traitement associé, donc un premier traitement, eh bien, l'IA nous dit, eh bien, il y a un taux de survie de 43% ou de 60%, et avec une deuxième voie, on peut imaginer le taux de survie plus faible. Et la question qui va se poser, si on est du côté du chercheur en droit et en éthique de l'IA, ça va être de savoir, mais est-ce que le médecin, a le droit de choisir la seconde proposition de l'algorithme? Est-ce qu'il a le droit de dire, moi je choisis les 37%, je vais plutôt aller dans la solution thérapeutique qui nous mène à 37%? Et là, je n'ai pas bien sûr de réponse, mais on va plutôt proposer une réflexion globale ensemble. Alors ici, c'est une question notamment de liberté. Donc de liberté de l'être humain, qui va se traduire par une responsabilité humaine au sens non juridique. Excusez-moi une seconde. Excusez-moi. En termes de responsabilité humaine et de contrôle de l'humain sur l'IA. Donc l'idée, c'est que l'IA ne doit pas porter atteinte à la liberté des personnes. Vous avez des textes qui vous parlent de liberté de l'humain. Alors, ça va impliquer quoi? Ça va impliquer que l'être humain devra décider librement si et quand il délègue sa décision à l'intelligence artificielle. Donc, j'ai déjà travaillé avec des médecins qui étaient d'accord avec cette idée que, effectivement, on ne devait pas considérer, on ne devait pas déléguer la décision médicale, même si c'est collaboratif avec le patient, de déléguer la décision médicale à un système d'IA. C'est l'humain qui garde le pouvoir sur la décision finale. L'humain, quand je dis l'humain, c'est le médecin avec son patient qui garde le pouvoir sur la décision. Donc ça, c'est quelque chose qui est plutôt partagé. Et évidemment, la question est très importante pour les algorithmes prédictifs en santé. Alors bien sûr aussi, la question qui va être posée lorsque vous avez affaire à ce style de d'IA prédictive en santé ou de système d'aide à la décision, ça doit être que l'IA doit être transparente. Ça veut dire que le médecin va avoir une solution, il doit savoir comment le système a décidé, pourquoi on lui recommande 60%, pourquoi l'autre piste lui propose 37%. Il doit comprendre pourquoi, il doit pouvoir l'expliquer à son patient, il doit pouvoir justifier. Donc il y a une question de transparence qui est extrêmement importante et une question d'information qui est extrêmement importante. L'utilisateur doit pouvoir conseiller son patient et le patient doit pouvoir accepter en connaissance de cause. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Et si on regarde en France, la loi bioéthique, la loi bioéthique, elle est plutôt décevante parce qu'elle est restée à mi-chemin. Donc la loi bioéthique a parlé pour la première fois
des systèmes d'IA en santé, mais malheureusement, on nous dit que le professionnel de santé doit s'assurer que la personne concernée a été informée de l'utilisation d'un algorithme prédictif et qu'elle est, le cas échéant, avertie de l'interprétation qui en résulte. Donc ça reste assez maigre, on ne sait pas trop jusqu'où ça va. Est-ce que le médecin lui-même a vraiment une bonne compréhension ? Sachant que le point 3 de ce texte, qui est dans le Code de la santé publique, nous dit « Le concepteur du traitement doit le concepteur du traitement algorithmique doit donc mentionner au premier point dont je vous parle ici doit assurer l'explicabilité à l'utilisateur. Donc c'est l'utilisateur, donc le médecin. Donc il doit expliquer, semble-t-il, au médecin, mais il manque l'idée que le patient doit comprendre pourquoi, comment le système fonctionne, notamment quand vous avez affaire à la fameuse boîte noire de l'intelligence artificielle qui pourrait poser un certain nombre de problèmes. Alors, si on transpose la question de la liberté humaine avec le robot, on a une autre question qui se pose un peu différemment. Je regarde l'heure, j'essaie de me respecter moi-même, le timing. Est-ce que le robot peut être censeur du comportement humain ? Et là, ça fait un écho complet à ce que disait Sarah juste avant moi par rapport à une maison intelligente. Donc, imaginons ici une personne dans une maison intelligente et on lui a passé un robot. Et cette personne, par exemple, est atteinte de troubles de la mémoire et elle demande à son robot de lui délivrer des boissons sucrées, des petits gâteaux, alors qu'elle souffre déjà du diabète. Et la question qui va être réelle, qui va toucher les roboticiens, les chercheurs en IA, c'est comment programmer la machine ? Est-ce que la machine doit dire oui à chaque fois que l'humain demande ou est-ce que la machine doit lui dire non ? Alors, ça pose des questions de liberté humaine. Parce que, imaginez un peu, donc on a des textes qui protègent la liberté humaine, mais en face, vous avez d'autres questions. En face, vous avez la santé et la sécurité du patient. Puisque, effectivement, la personne est malade. Elle a le diabète. Si elle mange du sucre, surtout si elle a des problèmes de mémoire, elle va mourir. Donc, vous avez la liberté humaine, parce que, quand même, la personne est malade, mais c'est pas, elle est tout à fait en conscience de pouvoir manger du sucre ou pas, sauf qu'elle a des troubles de la mémoire. Mais en face, elle a quand même des problèmes de santé et de sécurité. Donc, vous avez des enjeux. Et quand le droit n'a pas forcément de réponse, quand vous avez deux questionnements, deux principes, deux valeurs qui peuvent s'opposer. Et quand le droit n'a pas de réponse, eh bien, vous avez la place de l'éthique qui va venir nous guider un petit peu dans ces questionnements. Alors, comment savoir, comment décider et comment programmer la machine ? Et ça, je suis désolée, on est encore à la valorisation, hein, comment passer de la théorie à la pratique. On sait que la liberté, c'est un droit fondamental qui doit être respecté. On n'imagine pas une machine vous empêcher de tout faire. Alors, si vous avez vu certains épisodes de certaines séries dystopiques, on voit effectivement des machines, je crois que c'est dans Real Human, où vous avez un robot qui empêche une personne qui n'est même pas vraiment âgée, qui est encore assez jeune, de manger du sucre. Elle le harcèle, c'est un robot nounou qui la harcèle pour l'interdire de fumer, de manger du sucre, etc. Mais c'est complètement inimaginable, une chose comme ça. Mais en face, vous avez la santé et la sécurité. Donc, comment concilier les deux intérêts ? Oups, j'arrive plus, voilà. Entre les deux. Alors, on pourrait imaginer l'idée que l'humain, que la décision humaine prime sur la décision de la machine. Et c'est un peu l'idée qu'on a retrouvée en IA. On a le médecin qui garde le contrôle avec son patient de la machine. Eh bien, on pourrait appliquer la même chose dans la maison intelligente. Je ne parle pas à l'hôpital, c'est encore autre chose, je parle de la maison intelligente, que le patient, l'humain, garde le contrôle de la machine. Sachant que vous avez quand même des chercheurs aujourd'hui qui développent l'idée que la machine, le robot, doit pouvoir dire non à l'humain quand c'est nécessaire. Par exemple, quand vous avez une personne qui a des troubles, qui atteint d'Alzheimer, un enfant qui n'a pas conscience de ce qu'il fait. Donc certains chercheurs travaillent sur ces questions, mais évidemment, comment voulez-vous que la machine, en tout cas on ne sait pas le faire, puisse évaluer les règles juridiques qui sont applicables ? Donc un enfant qui va demander à une personne de déplacer un objet lourd, qui va demander à une machine de déplacer un objet lourd, la machine va accepter, et l'enfant va demander de jeter l'objet lourd par la fenêtre, la machine doit être en mesure de refuser. Comment la machine peut évaluer le danger potentiel de l'un et l'absence de danger de l'autre ?
Ça, c'est une question importante. Donc, vous avez des travaux qui portent sur ces questions-là. Par exemple, il y a des travaux qui ont été faits à l'hôpital, à l'université aux États-Unis avec le robot NAO. Donc, je vous passerai ça. Alors, ce qu'on peut dire globalement, en tout cas à mon sens, la réponse va varier selon le lieu où le robot va être utilisé. Si on utilise le robot à l'hôpital ou dans une maison de retraite, on peut imaginer qu'il y a quand même l'idée de santé, de sécurité qui peut primer sur la liberté de la personne. Parce que la personne est dans un lieu qui est censé être protecteur et protégé. Et l'institution engage sa responsabilité si la personne venait à décéder des conséquences, par exemple, d'un abus de sucre. Par contre, c'est différent si la personne est chez elle et qu'elle prend des décisions pour elle-même. Évidemment, même chez elle, si la personne est atteinte d'Alzheimer, est atteinte de troubles mentaux, on imagine très bien que la machine doit être limitée et qu'elle puisse pas accéder à des demandes un peu loufoques ou dangereuses. Et que ce soit une personne âgée, une personne malade ou un enfant qui n'est pas en capacité de comprendre les demandes. Donc on voit bien que celui qui va programmer la machine doit avoir conscience de toutes ces questions. Alors, je vous passe les autres expériences. Deuxième exemple, l'exemple de la non-discrimination. Donc, le terme discrimination, non-discrimination, c'est un terme également juridique. Je vais essayer de vous l'appliquer à de l'IA, tout au moins, pas forcément 100% IA, c'est plutôt de l'algorithme dans lequel il y a, une méthodologie générale qui n'est pas IA, mais dans lequel il y a un peu d'IA. En tout cas, l'exemple que je vais vous prendre, pour changer complètement de sujet. Je vais vous prendre l'exemple, donc la non-discrimination. Voilà, vous avez des textes juridiques qui s'appliquent à ces questions. Et évidemment, on se doute que le système d'IA ne doit pas être discriminatoire. Ça tombe sous le sens. Donc, vous voyez toujours qu'on peut appliquer des règles de droit valables pour l'humain à la machine, en tout cas dans une certaine mesure. Je n'ai pas dit qu'elle allait comprendre. J'ai dit qu'on devait, l'humain, programmer la machine pour que la machine, de gré ou de force, respecte les protections humaines. Alors, ces questions se posent par rapport à la question de la justice prédictive. Alors, on va passer à un autre sujet, on va passer de la santé à la justice prédictive. Alors, la justice prédictive a été illustrée aux États-Unis. En France, pour le moment, ce n'est pas autorisé, en tout cas, pas cette forme-là. Aux États-Unis, on utilise la justice prédictive. Alors, ça veut dire quoi exactement? Vous avez des États américains qui autorisent les tribunaux à recourir à des algorithmes pour aider les juges à prendre des décisions. Ça peut être des décisions qui concernent la libération sous caution, la détermination de la peine, la libération conditionnelle. Donc, c'est des systèmes d'aide à la décision du juge. Donc, par exemple, on utilise beaucoup, et c'est ce que je vais vous expliquer ici, Compass, pour prédire les risques de récidive des personnes qui ont été condamnées. Alors, Compass, ça fonctionne comment, en deux mots? Donc là, je vous ai fait un petit résumé du fonctionnement de la machine. Alors, ça commence par une espèce d'enquête qui a lieu en prison, donc enquête pour laquelle les détenus ne sont pas forcément informés. Donc, par exemple, le détenu aura à répondre à un certain nombre de questions. Par exemple, est-ce qu'il est bien dans sa peau? Est-ce qu'il est dépressif? Est-ce qu'il a des idées suicidaires? Donc, des questions a priori tout à fait innocentes. Est-ce qu'il a de la famille qui est en prison? Est-ce que ses frères et sœurs, par exemple, donc ont été en prison, ses parents? Est-ce que ses amis ont été en prison? Donc, il y a une centaine de questions qui vont être posées pour déterminer les caractéristiques globales. Donc, ce à quoi vous allez avoir d'autres chiffres qui vont être associés, donc son milieu socio-professionnel, etc., etc., ses revenus, c'est tout ce que vous voulez. Et le système d'IA va calculer un score de risque, un score de dangerosité entre 1 et 10, et va le donner au juge. Donc, le juge va avoir ce que vous avez en bas, un chiffrage. Donc, ça va être un chiffrage entre le vert et le rouge, et pour obtenir un score de dangerosité. Donc, plus le prévenu est dangereux, évidemment, moins il sera remis en liberté. Et justement, vous avez des ProPublica qui a travaillé, qui est un collectif de journalistes qui ont travaillé sur ce type d'algorithme, et sur Compass notamment. Et ils ont montré quoi? Ils ont montré que ces algorithmes présentaient des risques d'opacité, de biais et de discrimination.
Donc, ils l'ont montré, par exemple, avec ces deux personnes. Donc, à gauche, hein, vous avez, pour des crimes identiques, vous avez à gauche la machine, en fonction de toutes les réponses apportées, eh bien, la machine a considéré qu'il avait de hauts risques de récidive. Donc, évidemment, le juge n'était pas enclin à libérer sous caution, de manière... libération conditionnelle. Et deuxième cas, ce monsieur de droite, avec sa bonne mine aussi, le logiciel a considéré que lui avait très faible risque de récidive et du coup, le juge était enclin à le libérer. Donc évidemment, ProPublica a montré que le système était complètement biaisé, qu'il avait une réponse qui a été inégalitaire selon la couleur de peau de la personne. Et c'est d'ailleurs été illustré dans l'affaire State contre Loomis de la Cour suprême du Wisconsin en 2016. Donc ce fameux Eric Loomis avait commis une série d'infractions. Au cours de son jugement, il y avait le logiciel Compass qui avait été utilisé. Et lui, il a été embêté quand même, qui s'est dit, mais je ne sais pas exactement comment ce logiciel fonctionne. J'aimerais savoir, donc il a fait une requête pour savoir comment le logiciel fonctionnait, quelles informations avaient été utilisées, parce qu'on ne sait pas du tout. Donc, quelles informations pour être évaluées? Eh bien, c'était la question de l'opacité de l'algorithme et comment fonctionnait l'algorithme. Donc, c'était la question éventuellement des biais. Alors, qu'a répondu la Cour suprême du Wisconsin? Donc, elle est bien gentille, vous allez voir. Loomis peut remettre en cause sa sentence et expliquer les failles potentielles de Compass. Ça paraît très bien, hein. Donc il est libre de remettre en cause. Sauf que le juge avait, dans la même décision, reconnu que lui-même n'avait pas accès au fonctionnement de Compass. Donc le juge utilise Compass sans savoir comment il fonctionne. Donc un peu comme le médecin tout à l'heure qui va utiliser un système d'aide à la décision sans savoir comment il fonctionne. Donc le juge utilise Compass, utilise les solutions, les applique aveuglément et nous dit... Eh bien, moi, je ne sais pas comment ça fonctionne. Par contre, Eric Loomis, vous, pauvre personne condamnée, vous pouvez remettre en cause le logiciel, sachant que les fabricants du logiciel refusent d'ouvrir ce logiciel parce qu'ils ont une propriété intellectuelle dessus. Donc, le tribunal n'y a pas accès en raison de la propriété intellectuelle. Et Eric Loomis, je ne sais pas par quel miracle, pourrait y avoir accès, sauf qu'il ne peut pas parce qu'il y a une propriété intellectuelle. Donc, on lui donne le droit... mais il ne pourra pas le faire concrètement. Et la Cour suprême des États-Unis a refusé de s'autosaisir de cette affaire parce que ce n'était pas considéré comme une affaire qui relevait de ses compétences ou extrêmement importante. Donc, pour le moment, on utilise toujours Compass sans solutionner les questions. Troisième exemple. Donc là, je vous ai montré les deux cas où on pouvait rattacher la liberté, qui est un droit, la discrimination, qui est un droit, la non-discrimination, plutôt, qui est un droit. Troisième exemple, un peu différent, un peu étonnant, l'interaction homme-machine, qui est aussi en lien avec la maison intelligente. L'interaction homme-machine pose des questions tout à fait différentes, tout aussi passionnantes. Alors, l'interaction homme-machine pose la question du lien qu'on a, nous, humains, avec une machine. Et on constate que nous, humains, nos liens, en tout cas en Occident, sont plutôt un lien de crainte par rapport à la machine. Alors, cette crainte que vous avez juste dans l'image précédente, hein, ça, c'est le golem de Prague. Donc, la crainte a des origines historiques lointaines et complexes. Ces origines historiques lointaines et complexes ont été réalimentées plus récemment. Alors, très rapidement, le golem, c'est une origine hébraïque. Assez que je vous ai retracé ici dans ce petit tableau. Donc c'est une tradition talmudique du golem. Donc c'est une créature à qui on insuffle la vie pour. Ça dépend lesquelles traditions. Il y a plusieurs traditions sur le golem. En tout cas dans certaines traditions, on considère que la créature est faite de terre. On lui insuffle la vie, quels que soient les moyens, et ensuite le rabbin le remet à son état de terre. Par divers moyens, ça dépend lesquels, ça dépend les traditions. Et donc l'humain
garde le contrôle sur la créature qui va être créée. Sauf que le golem, dans la tradition du rabbin Maharal de Prague, eh bien, malheureusement, il a oublié de faire ce qu'il fallait faire pour mettre fin à l'animation de cette créature et qui a ravagé Prague. Donc, on a eu une perte de contrôle de la créature par l'humain. Et cette perte de contrôle, on la retrouve beaucoup. En Occident. Alors, par exemple, toute la tradition de la littérature, notamment le monstre de Frankenstein, du docteur Frankenstein, de Mary Shelley, alors que dans d'autres cultures, notamment en Extrême-Orient, eh bien, cette peur de la machine n'existe pas. Au contraire, on a une vision plutôt positive, hein, notamment du robot au Japon, par exemple. Alors, vous avez toute une tradition littéraire qui a décliné à l'envi la peur du golem originel avec différentes variations autour de cette notion. Jusqu'à Isaac Asimov qui a décidé de créer une espèce de loi pseudo-juridique pour arrêter cette peur de la machine et réussir enfin à maîtriser la machine qui ne pourra plus échapper à l'humain. Donc, il a créé des lois de la robotique que vous avez ici affichées. Et que malheureusement, au début de la robotique, les roboticiens qui ne savaient pas comment faire pour trouver protéger l'utilisateur des machines, et les roboticiens au début se sont emparés de ces lois de la robotique, et ensuite c'est entré un peu dans les mœurs de dire, eh bien ces lois de la robotique, on dit le mot loi, eh bien peut-être qu'elles s'appliquent aux machines et à l'intelligence artificielle. On n'a pas le temps d'en parler ici, mais je vous dirais bien que oui, mais plutôt non. Donc c'est intéressant, mais bon, c'est quand même de la littérature, il faut en avoir conscience, même si notre droit est quand même pas loin derrière. Alors, cette peur de la machine, on la retrouve, juste évoquée rapidement, on la retrouve dans différents domaines. La peur de la supplantation de l'humain par la machine, notamment au travail. Hein, donc là, vous avez l'exemple du ludisme ou l'exemple de l'Américain Luna Bomber qui avait engagé un combat terroriste contre la machine et le système. Alors donc, on va encourager, nous, en Occident, en Extrême-Orient aussi d'ailleurs, mais l'utilisation de la machine donc par l'acceptabilité. Donc là, je rejoins ce que Sarah vous expliquait. Donc, trouver des moyens pour que l'humain ait envie d'utiliser la machine. Pourquoi ? Parce qu'en Europe, on n'a pas le choix. Hein, je vous ai dit, on ne sait pas comment faire pour trouver une troisième voie, une alternative. L'industrie a plus ou moins déserté l'Europe, donc il faut réussir à revivifier l'économie européenne par l'IA, par la robotique. Et revivifier, ça implique effectivement que les gens achètent, que les gens utilisent, que les gens adoptent des solutions. Donc, et en adoptant, il faut y croire, il faut vouloir. Donc on repart sur l'idée de confiance, on repart sur l'idée d'utilisation, d'acceptabilité des choses. Par exemple, vous avez les solutions pour les personnes âgées. Sarah vous en parlait, les thérapies pour les personnes. Par exemple, j'ai travaillé sur tout ce qui était question de l'utilisation de l'IA et de la robotique pour les personnes, pour les troubles et maladies mentales. C'est tout un créneau. Donc, vous avez plein d'usages. Donc, en Occident, pour lutter contre cette peur de la machine, eh bien, on va passer par l'empathie artificielle. Alors, les solutions développées par les roboticiens, par les ergonomes, par les juristes, par les éthiciens, ça va être de jouer, par exemple, sur l'apparence du robot, par exemple, sur le design du robot ou de l'IA incorporée dans un robot. Ça va être de jouer sur les expressions de la machine, les sons, les paroles, la gestuelle, pour susciter un certain nombre d'émotions, de réactions positives de l'humain. On l'a vu pendant le Covid, eh bien, on a utilisé auprès des patients qui devaient rester dans leur chambre des machines qui allaient se déplacer dans les chambres, qui étaient un peu sympas, on faisait en sorte que les patients n'aient pas très peur de ces machines, ou qu'ils soient très pratiques à être utilisées. Alors, des chercheurs ont pu prouver que le contact visuel avec un robot humanoïde, comme les petits robots Nao, suscitait des réactions affectives qui étaient similaires avec des réactions qu'on a humain à humain. Donc, vous regardez un robot dans les yeux, a priori, selon ces chercheurs, c'est les mêmes réactions que lorsque vous regardez un humain dans les yeux. Sachant qu'il faut bien sûr faire attention à la fameuse vallée de l'étrange, l'Uncanny Valley. Là, vous avez un exemple de cette tête robotisée qui vous fait non pas un clin d'œil bien sympa et tout mignon, mais plutôt une horrible grimace effrayante. Effectivement, la vallée de l'étrange, elle a été théorisée
mais c'est resté une plus ou moins de théorie. Hein. Il n'y a pas de preuve scientifique de l'existence réelle de cette théorie. En tout cas, dans le doute, on ne s'abstient pas, on l'applique. Donc, vous avez l'idée que plus une machine va ressembler à un humain, plus on va l'adopter, plus on va avoir confiance, plus on va la trouver mignonne. Donc, souvent, les roboticiens créent des machines qui ressemblent à des enfants avec des grands yeux, un grand visage, un petit corps tout mignon, le plus petit possible. Mais par contre, à un moment donné, elle ressemble tellement à un humain, comme ce visage atroce, ressemble tellement à un humain que rien qu'un clin d'œil, c'est vraiment le début de l'enfer, quoi. C'est une horreur, on dirait un démon qui vous fait un clin d'œil. Donc effectivement, à un moment donné, eh bien, c'est terrifiant. Et cette terreur qui est générée par la machine, eh bien, c'est la vallée de l'étrange, ce mal-être que certains ont avec des poupées ou avec, maintenant c'est la mode, avec des clowns. C'était la mode à cause des tueurs en série aux États-Unis qui ressemblent à des clowns. Donc on a peur de ces choses, on ne sait pas trop ce que c'est. Donc, et justement, l'idée, c'était d'utiliser de faire en sorte de prendre en charge cette préconisation pour éviter de créer des systèmes d'IA, des robots qui feraient peur. Hein. Donc, par exemple, on va créer des mains robotisées qui vont être sympas et mignonnes. Pour les enfants, on va créer des mains robotisées qui seront en Lego et non pas des mains robotisées en chair qui vont vraiment ressembler à des vraies mains. Hein, parce qu'une main robotisée en Lego avec des lumières, pour un enfant, c'est beaucoup plus acceptable que quelque chose qui est trop, trop, trop humain. Hein. Trop humain, c'est justement comme le nom le dit, c'est trop humain et on n'en veut pas forcément. Cette empathie artificielle, ce moment où il y a cette interaction en machine, ça va poser d'autres questions que je vous évoque très rapidement. Ça va vous poser la question, par exemple, à la louche, hein, la question des risques de manipulation de l'homme par le robot. Donc vous avez une machine, par son design, parce qu'elle est toute mignonne, elle a des grands yeux, elle vous parle en gloussant, comme vous avez pas mal de petits robots qui gloussent quand ils vous parlent, ou des petits couinements, tout mignons, ou par des questions qu'elle va vous poser, ou par le fait qu'elle va être à votre domicile, elle va vous connaître par cœur, elle saura que vous vous couchez à 21h, qu'à ce moment-là, vous êtes plutôt fatigué, et elle vous dira, tiens, au fait, j'ai quelque chose à te vendre, est-ce que tu serais intéressé par tel produit pour faciliter l'endormissement, ou est-ce que tu serais intéressé par un cache des yeux pour mieux dormir, être dans le noir. Voilà, donc il y a des risques de manipulation de l'homme par la machine, et ça risque d'être très très indirect. On risque pas forcément de s'en apercevoir. Et comment régler cette question? Toujours avec l'exemple, pardon Sarah, avec l'exemple de la maison intelligente, l'exemple de cet environnement des personnes handicapées et malades, mais chez elles, pas à l'hôpital, pas en maison de retraite, même si c'est une autre question. Et je trouve aussi que la question de mettre les personnes malades et handicapées chez elles, c'est quand même assez merveilleux. C'est le risque d'altération des interactions en machine. Ça, c'est quelque chose qui devrait être mesuré. On ne sait pas trop. Il y a des enquêtes sur la silver economy, et les personnes nous disent « oui, moi, je vais être chez moi ». C'est sûr, personne âgée. Quelles conséquences, quelle interaction? Donc ça, par exemple, le fait de placer un robot auprès d'un enfant, quel impact, quelles conséquences? Est-ce que, par exemple, mettre une machine auprès de personnes malades, handicapées, ça ne va pas remplacer la venue de la famille qui va prendre soin de la personne? Donc le prendre soin de la personne, au lieu que ce soit un humain qui va prendre soin, peut-être que la famille va se dire « mais non, il y a un robot, s'il y a quelque chose qui se passe, eh bien le robot m'aurait prévenu si ma vieille maman était malade ». Donc là, on a cette idée de prise de soin. De la même manière, un personnel soignant peut-être sera moins inquiet en se disant « bon, la personne est dans sa chambre, si jamais il y avait eu un problème d'arrêt cardiaque ou une chute, j'ai beaucoup travaillé avec certaines équipes sur les chutes, eh bien, s'il y avait une chute, eh bien, je l'aurais su. Donc pourquoi j'irais jeter un œil dans la chambre ?»
Et évidemment, quand vous ne jetez pas un œil dans la chambre, bien, ce moment de discussion avec la personne âgée, bien, il est perdu. Et quand vous avez également d'autres illustrations concrètes, hein, quand vous avez une machine qui va venir à domicile pour servir rien qu'une boisson pour des personnes handicapées, tétraplégiques par exemple, c'est génial qu'il y ait des systèmes qui vont permettre de remplacer les tiers aidants, parce que c'est très pratique de pouvoir, dans les Hauts-de-France, on commence à utiliser des robots d'assistance à la personne, des mains robotisées, pour ouvrir la lumière des personnes qui ne peuvent pas le faire, eh bien ça c'est génial. Mais par contre, à côté, ça veut dire que les personnes, bien, le tiers qui va venir aider, risque de plus être là, ou moins, là, moins souvent. Donc la discussion risque d'être tournée plus rapidement court. Donc voilà, tout ça, ça doit être réfléchi avant de se précipiter vers une solution technologique, dire c'est la bonne solution. On doit réfléchir concrètement, on doit faire des tests, on doit... Moi, j'ai vu une vidéo une fois à l'occasion d'un colloque de Silver Economy, et tout le monde trouvait ça génial de montrer une vidéo d'une personne âgée qui disait « Ah, c'est génial, moi j'ai un robot, maintenant j'ai quelqu'un avec qui discuter. » Tout le monde trouvait ça super génial, mais moi j'avais envie de pleurer. Moi j'ai quelqu'un avec discuter, un robot qui va répondre mécaniquement à des stimulus qui ont été programmés. « Oh, bonjour monsieur Intel, bonjour madame Intel, je suis très contente de voir que tu vas bien. Oh, vas-y, je vais te montrer comment on danse. » Mais oui, ça c'est bien gentil, mais le robot ne va pas prendre soin de la personne. Donc ça, c'est des questions qui doivent être réfléchies. Il ne faudrait pas arriver à une maison intelligente qui déshumanise complètement la relation et qui se transforme en véritable mouroir. Mais d'un autre côté, si nos maisons de retraite n'étaient pas un lieu où l'on a peur pour nos personnes âgées, on a peur qu'en cas de Covid, on se retrouve avec des personnes qui soient isolées, forcées, seules, sans relation avec qui que ce soit, ou si on n'a pas peur qu'il y ait de telles astreintes au niveau des crédits et des budgets, où la personne est dans sa chambre en train de manger des choses innommable dans son assiette, eh bien, si on n'avait pas peur de tout ça, effectivement, si on était sûr que ces lieux étaient des lieux conviviaux où il y avait encore de l'amour et de l'affection, eh bien, on n'aurait pas envie de rester chez soi, tout seul, avec sa machine. Et dans toutes ces questions, on se rend compte, et j'ai traité quasiment terminé, et je vais conclure, je vais résumer la fin. Exactement. On se rend compte qu'ici, il n'y a pas de droit applicable. Si on essaie de raccrocher à des règles de droit... on est plutôt face à des questionnements éthiques. Il n'y a pas vraiment de règles de droit, donc il faut les créer. Et c'est pour ça que c'est intéressant. Moi, je travaille sur l'éthique de l'IA. Eh bien, en éthique de l'IA, quand il n'y a pas de droit, c'est pas grave, on passe à l'éthique de l'IA et on invente des règles. On invente des règles qui seront plus tard des règles de droit. Et c'est ce que j'essaie de faire. Inventer des règles qui seront des règles de droit. Généralement, les juristes, on est plutôt en train de réfléchir sur ce qui existe et on n'innove pas. Moi, je dis, nous, en tant que juristes, je ne dis pas que moi, je dis nous, en tant que juristes, on doit être là pour innover, créer des règles de droit que ça n'a pas, et les imposer et forcer les décideurs politiques public à faire des règles de droit, et ça sera ma conclusion, la conclusion, ça va remplacer la conclusion. Je vous remercie beaucoup. On va avoir des questions et des discussions passionnantes, j'en suis sûr. Alors, qui veut... Merci pour cette exposé. On sent l'enthousiasme et la passion. Et ça, pour des sujets a priori juridiques qui pourraient être un peu austères, vous avez su les rendre purement passionnants. Moi, c'était quelques toutes petites remarques. Mais en fait, c'est peut-être j'enfonce des portes ouvertes. Hein. C'est vrai que le principe même sur lequel repose l'IA, c'est le quantitatif, finalement. Par rapport à un certain nombre de modèles, qu'est-ce que ça va donner? Enfin, c'est une des aspects de l'IA que vous avez. Donc, en fait, alors que, en sciences humaines et sociales, on montre que le quantitatif, c'est pas tout, il y a du qualitatif. Et voilà, donc et je ne sais pas dans quelle mesure l'IA pourrait intégrer le qualitatif. C'est peut-être une question un petit peu vaseuse. Non, voilà. C'est pas basique, vous avez tout à fait raison. Et puis, alors, l'autre question, enfin, l'autre aspect, c'est sur certains questionnements que vous avez évoqués, l'historien que je suis a retrouvé des choses un peu plus anciennes, l'histoire du tramway. Là. Moi, c'est des histoires que j'ai entendues, hein, réelles, où on m'a rapporté, pendant la guerre d'Algérie, de militaires qui se retrouvaient, ils voyaient quelqu'un.
un paysan qui gardait ses chèvres, et il se disait, mais ce type-là, il monte peut-être la garde, il fait peut-être signe à un groupe de combattants qui sera caché derrière la colline et qui nous attend dans une embuscade. Donc on le torture ou on le torture pas ? Voilà. Et si on le torture, effectivement, moralement, c'est critiquable, mais en même temps, je vais sauver mes hommes, enfin, je vais sauver mes soldats qui risquent d'être tués par... Voilà. Parce que lui, si ce paysan, il sait qu'il y a d'autres combattants qui sont derrière la colline, ben voilà, il faut que je le fasse parler. Et puis, une réflexion encore un peu plus ancienne, à la fin du 19e siècle, mais ça, c'est question militaire, on parlait des baïonnettes intelligentes. En quelle mesure l'armée peut ne pas appliquer les ordres qu'on lui donne ? Alors, voilà, ça fait un peu penser à vos... Bon, c'est des comparaisons peut-être un peu forcées, mais votre propos me faisait penser un petit peu à ça. C'est pas du tout forcé, au contraire. Votre première question, c'est au cœur du sujet. C'est pour ça la chaire que je dirige, c'est une chaire... Dedans, on est composé moitié juriste, moitié informaticien. Parce qu'on ne peut pas faire le droit sans savoir comment ça marche. Moi, mes principales questions, c'est comment ça marche le système, même si je ne comprends pas forcément tout. Mais au moins, je travaille avec des gens. Par exemple, j'ai rencontré Sarah que je ne connaissais pas. Elle n'a pas le choix, je l'ai attrapée. On va discuter. Je veux qu'elle m'explique comment ça marche concrètement. Parce qu'elle crée les systèmes, mais moi, je vais protéger l'humain. Et on va co-concevoir, en fait. Et c'est l'idée, c'est ça. Il faut que les systèmes soient éthiques by design. Et non seulement qu'il faut le faire, mais maintenant, avec les réglementations que je vous ai épargnées de droit, l'Europe nous dit, avec notamment le futur règlement sur l'intelligence artificielle et d'autres textes sur la responsabilité, que je vous ai épargné complètement, c'est que tout doit être éthique by design, respectueux de l'homme by design, protégé, safe by design. Donc, on doit co-concevoir des systèmes. Donc, elle ne peut pas concevoir un système de maison intelligente qui risque de... prendre des données. C'est d'ailleurs, elle y a pensé, puisqu'elle a déjà parlé de systèmes fermés, donc ça, c'est déjà super. Mais il y a toutes ces réflexions à mener by design. Parce qu'aujourd'hui, les fabricants de systèmes d'IA en Europe ne pourront plus mettre sur le marché des systèmes d'IA, en Europe et ailleurs d'ailleurs, sur le marché européen des systèmes d'IA qui ne seront pas éthiques by design. Donc ça, c'est clair et net. Et donc, on oblige les communautés à discuter. Communautés, par essence, qui ne discutent pas. Moi, je me souviens de la première année où je suis allée dans une conférence purement de robotique. C'était le journée de la robotique française. Et quand ils ont découvert que j'étais juriste, ils ont dit « Ça y est, voilà l'emmerdeuse qui est venue nous dire ce qu'on nous interdire de faire notre métier. » Et ce qui fait qu'on se rend compte de la rupture entre les mondes. La robotique et l'intelligence artificielle veut faire ses trucs dans son coin et n'ont pas envie de savoir quelles sont les règles. Mais les juristes sont pareils. Très clairement, ils n'ont pas envie de savoir, mais je ne vais pas m'embêter avec ce qui se passe. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le droit positif. Le droit prospectif, c'est un gros mot pour les juristes. Très clairement, je me suis fait reprocher d'être prospective. C'est une insulte. Tant pis, je l'assume complètement. J'en suis même fière. Et je suis désolée. Donc, c'est très important d'être prospectif. Parce que Sarah crée le monde de demain. Mais nous, le droit, on va suivre dans 5 ans. Donc, ça, c'est... D'ailleurs, donc, la chaire, on fait les deux. Et je prépare aussi un DU, je fais la pub, mais bon. Un DU responsable de l'éthique de l'IA qui prépare à la fois les juristes et les informaticiens et tous ceux qui ont envie, donc les historiens par exemple, les sociologues, pour être capables d'évaluer le caractère éthique et responsable et juridique d'un système d'intelligence artificielle. Donc il y aura et du droit, et de l'éthique, et de l'informatique au sein de ce diplôme. Diplôme à DU en distanciel, en 120 heures. Donc voilà, qui va bientôt ouvrir ses portes, il est en train d'être terminé de voter. Donc voilà. Et pour les deuxièmes questions, mais c'est tout à fait pertinent aussi, sachant que quand vous avez des systèmes autonomes qui vont être utilisés pour la guerre, le système autonome, par exemple, même si ce n'est pas mon domaine prioritaire de travail, mais j'ai déjà travaillé sur ce sujet, mais c'est ce que tout m'intéresse, c'est vraiment incroyable, c'est vraiment passionnant comme domaine, mais le système autonome doit être capable de reconnaître un combattant et un non-combattant. Qu'est-ce qu'il fait face à ce type qui est en train d'être en haut de la colline ? C'est un combattant, c'est un non-combattant ? Il ne porte pas de tenue. Par essence, les textes vous diront, il n'y a pas de tenue, c'est un non-combattant. Donc on est pareil. Est-ce que le système d'IA va intégrer les théories utilitaristes ou pas ? Mais il ne sait pas le faire, il ne peut pas. Donc on est vraiment... Il y a vraiment énormément de questions qui se posent et elles sont tout aussi passionnantes. Vous avez peur de me remettre en route, j'en suis sûre.
Je vous vois, vous vous doutez, vous dites, est-ce que ça va nous amener à 17h ce truc? Merci. Peut-être une observation, parce que la question qui se pose notamment, alors vous avez épargné, effectivement, vous nous avez épargné toutes les propositions actuelles de l'Union européenne en matière réglementaire, mais au cœur de ça, il y a quand même cette question de la protection qui est en jeu, notamment la protection des données, la protection en matière d'IA. Mais ce qui est quand même une forme de... Enfin, il y a aussi un paradoxe à côté de ça, c'est que l'intelligence artificielle, c'est aussi le cœur de l'innovation, du risque aussi, et de tout ce qui va être demain, le développement de nouveaux systèmes qui vont nous aider dans notre quotidien. Et c'est un peu la difficulté, j'ai l'impression quand même aussi, avec l'Union européenne, c'est qu'il faut aussi tenir compte de cette donnée économique la manière de l'envisager, c'est quand même une contrainte pour les fabricants, pour tous ceux qui créent ce type de système, vis-à-vis finalement de développement de solutions intelligentes, utiles aussi pour les personnes. Donc il y a une espèce d'ambivalence aussi dans le... L'Union européenne le dit, hein, pour ceux, j'en ai pas parlé effectivement, donc vous avez un futur règlement concernant l'intelligence artificielle, et ce futur règlement sur l'intelligence artificielle, ça concerne uniquement celui-ci, la mise sur le marché des systèmes d'IA. Donc ça veut dire tous les systèmes d'IA qui vont être conçus, développés, fabriqués, intégrés dans un robot, etc., devront être respectés ce règlement. Et de ce règlement a évoqué un certain nombre de risques. Donc c'est un classement par les risques. Et donc l'idée de l'Europe dans ce classement par les risques, c'est qu'il y ait le moins de droits possible. Donc ils ont classé, bon, il y a certains développements qui seront interdits, par exemple le scoring social qui est interdit, mais quelques risques qui vont être considérés comme importants, par exemple les risques importants, vous allez avoir la justice prédictive, ça en fait partie. Mais l'Europe a reconnu que l'essentiel des usages de l'IA ne seront pas affectés par ces futurs règlements. Donc il n'y aura pas de règles spécifiques applicables à l'IA, justement pour, comme vous disiez, favoriser l'innovation, le développement et l'économie. Donc on est en fait entre ces deux. On protège, et l'Europe, on est connue pour les droits humains, la protection de l'homme, on protège ou on innove. On protège ou on innove. Ce qui fait que ceux qui disent « on protège » considèrent que tous les textes qui sont en cours ne sont pas assez protecteurs. Et tous ceux qui veulent innover, développer l'économie, considèrent que tous ces textes sont une barrière terrible au développement économique. Donc, et les deux ont raison, en fait. Donc c'est terrible. Quand on dit les deux ont raison, c'est très, très, très compliqué. C'est très dur. Vous aviez peut-être une deuxième question. C'était sur votre, sur la dernière partie sur l'interaction humain-robot. J'imagine que dans ce cadre-là, se posent quand même des questions qui restent juridiques sur les questions de responsabilité, justement, ou est-ce que c'est finalement quelque chose qui est quand même en dehors, où on est dans de la responsabilité classique, juridique, et qu'il n'y a rien de très neuf. Ça dépend. La responsabilité, elle est partout. Dès qu'il y aura un dommage, il y aura un cas de responsabilité. Le problème, c'est que quand on est juriste, On voit quoi ? On voit le traitement du risque et on voit la responsabilité. Et c'est d'ailleurs les deux axes de l'Europe, le règlement sur l'IA qui fait le traitement du risque, la prévention, et la future directive sur la responsabilité civile qui voit le traitement du dommage qui s'est réalisé. Donc ça, c'est facile, à la limite, si j'ose dire. C'est le point facile. Ce qui est problématique pour moi en tant que juriste, c'est toutes les zones d'ombre où on ne sait pas trop comment il y a des problèmes qui se posent, il va y avoir des impacts sur l'humain, mais l'impact, on n'arrive pas à le mesurer. Et c'est ça qui m'intéresse, moi, en tant que juriste. Même si mon domaine premier, en tant que juriste, je suis spécialiste en responsabilité civile. Donc ça, c'est mon domaine. Mais c'est mon premier domaine, avant l'IA. Mais effectivement, c'est facile, si j'ose dire, même si c'est compliqué, à cause des règles, plein de problématiques. Mais ce qui est plus délicat, c'est comment l'humain va être impacté. Comment on va pouvoir régler cet impact, comment on veut notre société, est-ce qu'on va aller jusqu'à est-ce que ça va être finalement le parti pris économique, économiser comme on va réduire le chauffage parce qu'on n'a plus les moyens, est-ce qu'on va dire dans les maisons de retraite, écoutez, on a encore moins les moyens, on va économiser la nourriture, on va économiser les soins. Dans ce cas-là, vous avez des bras robotisés qui nourrissent les personnes,
qui fonctionne très bien. On peut mettre très bien toutes les personnes handicapées et malades qui ne peuvent pas se nourrir seules, alignées dans une table avec les bras nourrisseurs, et les personnes n'ont plus une aide, un humain derrière pour venir les aider à manger. On peut très bien avoir une personne dans sa chambre avec un système qui va leur laver les cheveux. Et j'ai même un soignant qui m'a dit une fois, au moins si j'ai un robot qui va laver les cheveux, je suis sûre que la personne âgée ou malade aura les cheveux lavés au moins une fois tous les 15 jours, ce qui n'est pas le cas dans mon établissement. Donc voilà, quand on voit la réalité, on se dit, le robot c'est très bien. Quand on voit les robots, on se dit, ah, non, vaut mieux l'humain. Mais dès qu'on repasse à l'humain, on se rend compte. Donc c'est très difficile, c'est vraiment très difficile de réfléchir sur ces sujets. C'est pour ça que... il faut y mettre, je pense, comme je fais, de la passion, parce que c'est tellement compliqué qu'on s'épuise à tourner en rond avec ces questions. C'est quoi, c'est mon opinion. Merci. Une question, oui. C'est pas vraiment une question, mais plutôt une remarque qui me vient sur le fait que c'est aussi profondément une question démocratique, en fait, de choix de société aussi, et de la place qu'on veut donner à la technologie par rapport à l'organisation proprement humaine dans les métiers, etc. Donc ça devrait être, dans une société qui donne le temps à la démocratie, que les citoyens puissent s'emparer aussi de ce sujet. Je suis 100% d'accord avec vous. C'est pour ça que, bien que je n'ai pas le temps, je fasse plein de choses à côté en recherche, je participe à toutes les journées de valorisation, etc. Dès qu'il y a une journée à destination du public, les journées de la science, tout ce que vous voulez, je dis toujours oui, même quand ça me... prend beaucoup de mon temps personnel. J'ai pratiquement plus de temps personnel, en fait. Je passe mon temps à faire ce genre de choses parce que il faut que le public soit informé. Et quand je dis le public, c'est le grand public, mais aussi les publics spécialisés dans les domaines. Donc, par exemple, les juristes ne sont pas forcément informés des questions d'IA. Les spécialistes de l'IA ne sont pas forcément informés de ces questions juridiques. Donc, il faut que le public, en général, soit informé. Et c'est très, très important. Par exemple, je participe aux universités pour tous. Notamment dans l'université de l'Artois, on a des sessions universités pour tous. Et il y a beaucoup de personnes âgées. Et ces personnes âgées sont extrêmement intéressées par ces questions. Et j'y mets un point d'honneur, dès qu'on me demande, je dis oui, bien que ça m'en coûte en termes de temps vraiment, parce que c'est très important que ces personnes soient aussi intégrées dans ce qui se décide. Parce que l'air de rien, je pense qu'on est tous concernés par ce qui va se produire. C'est pas simplement la loi qui vient d'en haut. J'en ai parlé d'ailleurs avec vous quand on préparait la table ronde. C'est pas simplement la loi qui vient d'en haut qui va nous forcer à avoir un certain comportement. Je pense que dans une certaine mesure, peut-être petite, selon certains, plus ou moins petite, on peut quand même influencer plus ou moins les décideurs publics. Et c'est nous, c'est notre société. Si on trouve ça extrêmement bien d'avoir une machine qui est à côté de nous quand on est âgé, très bien, pourquoi pas. Mais on doit nous demander notre avis. On ne doit pas nous imposer une machine qui va venir nous toucher, nous parler et remplacer l'humain. Donc ça, c'est une question de société très importante, vraiment très importante. Et c'est maintenant, hein. C'est pas dans 10 ans, ça sera fichu, ça sera déjà décidé. C'est maintenant où on doit décider de ça. Y a-t-il d'autres questions dans la salle? Alors, il reste quelques minutes avant 16h, je vais me permettre d'en poser deux ou trois. Alors, juste pour l'anecdote, j'ai vérifié sur Internet, Kasparov a accusé qu'il y a eu une intervention humaine derrière Deep Blue, parce qu'il y a eu un sacrifice qu'il considère qu'une machine ne pouvait pas faire. Sachant qu'au 18e, il y avait une machine qu'on présentait comme un robot, et il y avait effectivement un humain à l'intérieur de la machine. Donc... Effectivement, oui, je comprends, c'est une réaction tout à fait humaine. Après, je ne sais pas s'il y a eu... Il y a juste une précision là, sur l'IA symbolique. Est-ce qu'il n'y a pas un mix entre le symbolique et puis l'apprentissage? Par exemple, pour la machine à jouer aux échecs, donc elle va envisager tous les arbres, tous les chemins possibles, mais... à intégrer éventuellement des parties de grand maître ou... Oui, bien sûr, intègre toutes les parties, tous les débuts de partie et les fins de partie. D'accord. Oui. Alors, tu as fait une intervention intéressante sur le niveau de paternalisme qu'on attribue à la machine ou à l'IA. Bon.
Est-ce qu'il y a vraiment un problème d'éthique derrière ? C'est-à-dire, c'est un choix, là aussi, c'est un choix de société. Le niveau de paternalisme, je veux dire, personne ne va laisser un enfant de 5 ans traverser la rue, donc tout le monde est d'accord sur ça. Ensuite, est-ce qu'on laisse des adolescents boire, prendre de la drogue ? Là, ce sont des choix de société, et la loi suit derrière. Donc là, pourquoi y a-t-il un problème d'éthique ? Parce que là, l'exemple de l'enfant, c'est un exemple qui est assez simple, mais après, on peut imaginer une personne qui soit handicapée physique ou mentale et qui puisse avoir des mouvements réduits, une cognition réduite, de sorte qu'elle ne puisse pas forcément agir dans l'espace, dans son environnement comme elle le souhaite, de sorte qu'elle soit obligée de déléguer une partie de ce qu'elle souhaiterait à la machine. Et si on délègue, par exemple, le fait de vouloir boire de l'alcool et qu'on demande à la machine de nous rapporter de l'alcool et que la machine puisse ou pas être amenée à dire non en fonction d'un régime, en fonction de convictions, en fonction d'un certain nombre de choses, et bien là, on a quand même une limite qui se pourrait être juridique, qui porterait atteinte, qui poserait la question de la liberté humaine. Que reste-t-il de la liberté humaine quand on a un programme informatique ? Est-ce que les informaticiens, concrètement, est-ce que les informaticiens vont pas, c'est ça la question concrète, ça sera plus facile à comprendre comme ça, est-ce que les informaticiens vont pas programmer l'ordonnance du médecin ? Voilà. Le médecin va dire, voilà, vous devez manger, réduire le sel à moins d'un gramme par jour, vous devez avoir tel régime alimentaire, est-ce que ça ne va pas être programmé et que la machine va strictement ramener le plateau repas qui comportera exactement le grammage de sel, même si c'est au domicile de la personne. À l'hôpital, on peut le concevoir, mais au domicile de la personne est chez elle, donc elle est censée être libre, ça sera elle qui aura acheté la machine ou sa famille. Et là, on a cette question qui va se poser. Et très probablement, comme je le sens, je pense que la machine sera programmée en fonction de l'ordonnance du médecin. Ce n'est pas forcément une programmation déterministe. Ça peut laisser, on peut laisser un petit aléa et puis, de temps en temps, un petit bonbon. Mais quand ? Ce de temps en temps, c'est quand ? De manière aléatoire, mais avec une fréquence qui va correspondre à quelque chose de sanitairement acceptable. Enfin, je réfléchis à voix haute. Bah oui, de toute façon, c'est un domaine où on doit réfléchir à voix haute parce que il y a plein de choses. Il faut co-construire ces choses. Mais moi, je trouve ça perturbant quand même, même si on a un régime, par exemple, pour les personnes diabétiques que je connais, qui ont un régime donc où elles doivent pas prendre de sucre, bien ces personnes s'autorisent au moment de l'anniversaire un petit bout de gâteau. Ou à des moments spéciaux où elles ont un peu de blues, elles s'autorisent un petit bout de gâteau. Donc l'anniversaire peut être programmable, mais le petit moment de blues, comment la machine pourra le déterminer ? Donc c'est ça qui me pose problème, le fait que la machine puisse. Par contre, on peut très bien imaginer, si on co-conçoit le système d'IA, la personne, la machine rappelle, attention, aujourd'hui, vous avez dépassé votre dose de sucre, vous avez dépassé votre dose de sel, et à partir de là, la personne dit, c'est pas grave, je prends quand même, et à partir de là, elle puisse prendre ça. C'est l'exemple aussi pour le suicide, que j'ai pas pris, parce que c'était un peu glauque, mais d'habitude, je prends l'exemple du suicide. Par exemple, il y a des chaises roulantes robotisées qui ont été créées par des Russes, où ils avaient dit fièrement, nous, notre but, c'est que la personne ne puisse pas avoir un comportement dangereux. Oui, d'accord, c'est très bien. C'est normal, ça s'explique. D'un autre côté, ça veut dire que vous êtes avec une chaise roulante non robotisée. Vous pouvez, si vous avez une maladie très grave, décider de vous suicider. Mais si vous êtes avec une chaise roulante robotisée, eh bien vous ne pouvez plus vous suicider. Et les concepteurs vous disent, j'en ai connu, qui m'ont dit, oui, mais comment j'ai prouvé que la personne a voulu se suicider ? Bien, dans ce cas-là, c'est la question de la preuve. Donc on repart encore sur des questions juridiques, mais c'est des questions où il faut être réfléchi, il faut être co-construit et réfléchi. Il faut prendre en compte tous ces paramètres-là qui ne sont pas simplement juridiques, donc responsabilité, mais aussi éthique. La liberté de l'humain, la vie privée, etc. Et c'est... Dès qu'on touche ça, c'est immense, c'est infini. Passionnant. Ah oui. Merci. Merci beaucoup. On a tenu les bravo à tout le monde.